Voilà, je vais vous faire comprendre quelque chose aujourd'hui. Je vais bien vous expliquer. Depuis un moment, quand je faisais mes vidéos là, je disais que les militants RHDP là, je disais qu'ils avaient les documents en main là. On ne m'a pas écouté. Voici la preuve aujourd'hui. Si le RHDP avait, si le RD avait vraiment besoin, s'ils étaient pas au top ici, ils allaient pas envoyer deux personnes pour enrouler milliers de personnes ici en France. Dans tous les centres d'enrôlement aujourd'hui, il y a que deux agents qui sont là et qui recensent les gens. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ouais, depuis longtemps, hein, parce que moi, j'ai fait à la ZASO, moi j'ai des amis parmi eux. Eux, ils m'expliquent. Et puis ils sont confiants, ils disent qu'ils vont gagner les élections. Parce que ils ont les gens qui sont venus les voir là. Parce que je vais vous expliquer quelque chose. Les gars passaient dans la maison de chacun. Bon, moi ce qui me plaît dedans, c'est qu'il n'y a que les nordistes qui se sont fait recenser. Bon, en 2010, tout le monde a vu. En 2010, il y a Alassane Ouattara a fait 25%. 25%, ils ont pris les 32% là, ils ont donné à Alassane Ouattara. Ça veut dire que au fait, eux, les voix là, ça peut pas, en tout cas, la voix, en tout cas, y a pas une région aujourd'hui qui peut rendre quelqu'un président. Voilà, tout coup. Y a pas une région aujourd'hui qui peut dire, ouais, bon, comme vous voulez pas de lui là, nous on va voter pour lui et puis il va être président. Nous là, au nord là. En 2015, premier tour là, les vrais, c'est-à-dire résultat de premier tour là, ils ont donné 25% à Bédier. Et l'ambassadeur de France, à l'époque Simon, quand il quittait la Côte d'Ivoire, il a remercié Bédier parce qu'il a accepté de se retirer. Voilà, parce que Bédier a accepté de se retirer. Il dit Bédier, c'est un homme de paix, nanani, nanana, il a dit tout ça là. Donc aujourd'hui, pour 13 jours, ça veut dire que 2 semaines, non, 13 jours, ça veut dire une semaine, c'est ça non, une semaine, 8 jours. Une semaine, 8 jours. Comment vous voulez que deux agents de recensement par bureau, pas ici là, on est beaucoup, on est nombreux. On est nombreux en France ici. Mais ils ont envoyé que 2 agents parce qu'ils ont déjà fini le boulot. Ils ont déjà recensé. Ils sont passés dans la maison de chacun et puis dans les grains. Parce que ici, il n'y a que nous là. On fait grain. Sinon, les Bousmani là, ils n'ont pas grain. Eux, c'est maquis à la maison. Eux, ils font pas grain. Donc, toi, ils sont passés dans tous les grains. Même si tu n'es pas là, tu donnes ton extrait à Abulaye. Et Abulaye, moi, il m'a aussi. Il est un extrait. Il faut remettre ça à Djabi Lassine. C'est ce qu'ils ont fait ici. Et c'est ce qui les pousse aujourd'hui parce qu'ils sont assis sur quelque chose. Mais ils oublient que si c'est qu'eux, ils sont assis là, ça ne peut pas les faire président en 2020 là. Ça ne peut pas. C'est petit, il y a Camisin. C'est mince. Ça ne peut pas les rendre président. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand tu pars dans les bureaux de vote, moi j'étais au dossier, hein, je ne suis pas parti parce que bon, je suis déjà recensé, j'ai déjà vérifié, j'ai mon nom sur la liste. Voilà. Donc ici, je vais dire à tous les cyberactivistes, n'allez pas seul dans les centres d'enrôlement. C'est dangereux pour vous. Parce que vous avez des prédateurs en face. Ce n'est pas des démocrates. Parce que eux, critiquer, ça veut dire injure. Bas bien ta mère con chez eux là-bas, ça c'est critique. Donc je demande à tout, quel qu'il soit GPS, FPI, PDCI, les autres partis là, ils ne connaissent pas. En tout cas, on n'a qu'à se mettre ensemble. Le jour, si on doit aller, si quelqu'un doit aller là-bas, on se donne rendez-vous. Une semaine, 6 jours. Merci beaucoup, Raman Dado. Merci. On se met ensemble et on accompagne la personne. Vous avez entendu, non? On dit la meilleure des sécurités, là. Regardez.
Bruce Lee même là, c'est lui, il a commencé film, il mentait aux gens, tout ça là. Mais dans les films de Bruce Lee là, c'est eux, c'est des scénarios, ils ont fait tout ça là. Mais quand il voit qu'il y a beaucoup d'hommes là, il faisait quoi, attendez pour là, il bourrit. Après, on va, il va s'entraîner, tout ça là, il fait les trucs, et puis après, il revient maintenant en Gbogni pour venir rendre son coup. Donc, n'allez pas seul. Vous avez compris? N'allez pas seul dans les centres d'enrôlement. Akalakoso. N'allez pas seul. Parce que ceux-là, sans violence là, ils ne sont rien. Sans violence. Je vous dis, même si on est quatre, ils ne pourront pas nous attaquer. Mais si tu es seul parmi ceux-là, parce que c'est des gens, je ne dis pas les nordistes, mais les bonnes arrivées qui sont dedans là, eux-là, parce que dans leur tête, si Draman n'est plus au pouvoir, et ils sont morts, donc eux, ils sont prêts aujourd'hui pour que la Côte d'Ivoire même repart en guerre encore là. Ils sont prêts aujourd'hui à ça. Donc, même s'il n'y a pas élection aujourd'hui là, ils vont dire, ah Dieu merci, voilà, il n'y a pas élection, Ouattara reste. Non, Ouattara ne peut pas rester au pouvoir. Comment, regardez, au moment où on était en guerre de Draman, la guerre de Draman, la rébellion de Draman, à l'époque. Mais, je crois, 6 mois ou bien 8 mois avant les élections, on avait nos cartes d'électeurs, on avait nos pièces d'identité. On avait nos cartes d'électeurs et pièces d'identité. On avait déjà ça à la maison. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas guerre, le pays n'est pas mélangé, tout est géré, c'est bouclé. Mais pourquoi ils ont mis du temps à recenser les gens et ils viennent nous donner une date, c'est-à-dire une semaine, 6 jours, avec 2 agents de recensement? Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous, là, vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est pas normal. Parce que eux là, ils ont déjà leurs documents. C'est-à-dire, dans les grains là, le gars il envoie papier. Ah, gros, est-ce qu'il est venu? Oh non, petit donne. Non, ça, il n'y a pas de problème. Ils ont pris tous les extraits là. Même que tu sois tilapia ou bien tu sois ivoirien ou. Ils ont pris tilapia, ils ont pris dossier de tout le monde. Et maintenant, c'est Djabi Lassine là qui s'occupait de ça. C'est-à-dire, eux là, ils ont déjà leurs documents en main. Ils ont déjà leurs documents en main. Maintenant, ils vont aller même. Je ne sais pas si vous avez remarqué aujourd'hui, j'ai partagé la vidéo de Dao. Dao, il y a un gars là. Dao. Avec lui qui me suis embrouillé le jour là. J'ai partagé sa vidéo aujourd'hui. Il est en train de parler de la Côte d'Ivoire. Il est en train de. Parce qu'il y a un monsieur qui. Il y a un monsieur qui n'était pas content. Qui parlait. Il a filmé. Et il y a une pétasse là-bas. Qui vient directement. Il n'a même pas dit son nom. Hein, c'est les soroïstes. Donc les soroïstes là, ils ne sont pas ivoiriens. Mais c'est les soroïstes là. Nous les soroïstes là, on vient de chez vous. C'est nous, on a fait que vieil Ibé Koubaré là. Il est président aujourd'hui. Le vieux Larafi Goubaré là, c'est nous on a fait que lui on l'appelle aujourd'hui. C'est nous on l'a donné l'occasion de mentir aux Ivoiriens, soit disant qu'il a prêté ses mains. C'est nous les soroïstes là. Donc j'ai dit à tout le monde, à tous les vidéomans, écoutez Amiral Blindé. C'est lui qui va aller se faire enrouler, il n'y a pas de problème. Pétrolier, salut. On se met tous ensemble et on va accompagner la personne. Et il va faire son truc tranquillement. Parce que nous, là, la violence, là, n'est pas de notre côté. Quand on va arriver là-bas, c'est lui qui va venir pour dire qu'il va frapper quelqu'un. Tu lui demandes, qu'est-ce que je t'ai fait? Non, tu critiques Draman. Draman, il est ton papa. Vieil Ibé Koubari, là, il est ton papa. C'est pas lui qui est venu dire ouais, qu'il a beaucoup de milliards pour nous. Qui a demandé pardon pour que Draman se présente? C'est lui-même qui est venu. Il a forcé jusqu'à il a tué des gens. Donc, les 1 semaine, 6 jours, là, dites-moi, avec 2 agents, 1 semaine, hein, 6 jours, ça fait 13 jours. Dans les 13 jours, là, dites-moi, hein,
de la manière, parce que les gens, ils ne sont pas bien formés. Ils ne sont pas bien formés. Ils ne maîtrisent même pas les tablettes qu'ils ont là. Et puis avec plein de bugs comme ça, ça bug à tout moment. Donc, admettons, on met deux personnes ici. Et puis on leur donne 1000 personnes pour les recenser. Vous êtes sûr qu'ils vont finir? Ils vont finir. Bonjour, Ibe London. Vous pensez qu'ils vont finir avant une semaine? Dites-moi, est-ce qu'ils vont finir avant une semaine? Ce n'est pas des gens qui travaillent dedans. Et puis encore, les ouvertures des centres, là, c'est à partir de 8 heures. 8 heures à quelle heure? À 18 heures. Donc ça veut dire que eux, là, ils ne peuvent pas recenser les deux personnes là. Ils ne peuvent pas recenser 300 personnes par jour. Nous sommes combien ici? Nous là, nous sommes combien ici? C'est bon Koulibaly qui est plaisanté, un petit bâtard là, Fafro, fils de chien là. Ton candidat à Moté là, poussé de démarrer là, c'est lui qui est le plaisanté, fils de bâtard. Combien de personnes, mon général, combien de personnes les deux agents là peuvent recenser? Si c'est comme ils sont dedans, c'est-à-dire ça fait des années, ils sont dedans, ils travaillent, on peut dire qu'ils sont rapides. Mais avec plein de bugs comme ça là, ils vont rouler combien de personnes par mois et par jour? Ce que je tiens à vous dire ici, à l'opposition ivoirienne, je vous demande, il faut qu'on soit solidaire. Quand on part quelque part là, parce que eux-mêmes là, ils ont déjà envoyé la division en Côte d'Ivoire. Que tu sois PDCI, GPS, FPI, on se met ensemble, homo salut, on se met ensemble, connais salut, on se met ensemble, on reste dans nos coins et on accompagne ceux qui sont allés pour se faire recenser. N'allez pas seul, surtout ceux qui sont connus là. N'allez pas seul. Moi, j'ai pas peur. C'est Draman qui a peur. Voilà pourquoi il a pris clôture. Il y a avoir peur de qui? Il y a avoir peur de qui? C'est Draman qui a peur. Voilà pourquoi il a pris clôture. Lui qui est votre brabotier là. Le vieux Burkinabé là. Le vieux Burkinabé là. On dirait quand il parle comme ça là. Abo Diminade. Ça fait... Bon, ça dit, ils prennent combien de temps? Attends, il a dit 15 minutes. 15 minutes, tu es sûr? Bon, comme tu... À mon avis, là, je sais que toi, tu as les renseignements. Voilà pourquoi tu viens dire Hubert Kofi. Voilà pourquoi tu dis que j'ai calculé pour toi. Il y a deux bureaux à Paris. Si chaque recenseur... Mais 15 minutes, ça fait 4160 personnes enroulées pour les 13 jours. Voilà, tu vois? Pour les 13 jours, nous sommes combien ici? Merci Hubert Kofi. Nous sommes combien ici dans les 13 jours là? Merci beaucoup mon frère. 4000, ça veut dire s'ils mettent 15 minutes. Hein? Oh, pourtant, on a vu aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont rentrés à la maison. Il y en a plein qui sont rentrés à la maison. Il y en a plein qui sont rentrés à la maison. Parce qu'ils sont là depuis le matin. Ça ne bouge pas. Vous prenez des gars comme ça, qui sont assis. Normalement, ils devraient avoir plus de 100 et quelques bureaux. Vu le temps donné là. Le temps donné là. Ils devraient avoir plus de 150 bureaux en France ici. À Paris même là, on devrait avoir... C'est-à-dire dans l'Île-de-France même là, on devrait avoir plus de 100 bureaux. Maintenant les autres là, ça allait être en province, tout ça là. Mais vous venez, on dit il y a quoi? Il y a 6 bureaux. Attends, je vais bloquer ce fils de bâtard là, sinon je vais insulter sa maman ici. Et les gens vont croire que je suis pas éduqué. Voilà. Vous voyez, dans les 13 jours,
Les 13 jours là, dans les 13 jours, ça fait 1000 et ça fait 4160 personnes. Si les recenseurs, s'ils sont rapides, s'ils font en 15 minutes. Doumia Zouzou, félicitations à toi aujourd'hui, frère. Si tu veux, tu peux m'appeler sur mon... Oh non, je ne peux pas. Tu allais me donner ce qui s'est passé en Italie, là. Parce qu'en Italie, les dossiers qui ont été demandés, le petit Peul qui est là-bas, là, le malheureux, là, qui s'est fait appeler Black ou quelque chose, là. Lui, il a dit avec l'extrait de naissance, tu peux, ils n'ont qu'à venir et puis ils vont faire les cas d'électeurs. Or, pourtant, l'État de Côte d'Ivoire, bon, comme c'est des voyous, voilà, sinon, l'État de Côte d'Ivoire, ce qu'ils ont demandé là, je n'ai pas la liste ici. Ils n'ont pas mis qu'extrait dedans. Parce que extrait là, on ne peut pas savoir. Moi, je peux prendre pour Mamou pour aller. Il dit non, j'ai changé de nom, sinon c'est moi, je suis là. Mais en Italie, là, il paraît que Zulu m'a laissé un message. Zulu m'a laissé un message comme quoi les gens, ils envoyaient des extraits là-bas. Pourtant, le petit Konda là avait dit en Italie là-bas qu'ils n'ont qu'à envoyer que l'extrait de naissance pour se faire recenser. Vous voyez? Très difficile aujourd'hui. Mais c'est fait exprès. Je vous dis, Walei Bilei, hein? On n'a qu'à enlever violence dans la politique. Alassane Ouattara n'est rien. C'est moi qui vous dis ça. On n'a qu'à enlever violence dans la politique. Là. Ouattara ne pèse pas. Même aujourd'hui, là, 10% même, là, il ne peut pas faire en Côte d'Ivoire. Koulibaly Lamine, salut. Lanzini, salut. Ouattara sans violence là. Pas, on a vu le monsieur. De la manière il est arrivé en politique en Côte d'Ivoire là. Il est venu par. Bon, après l'appel d'Oufou Boigny. Lui-même là, il est rentré dans l'histoire avec les armes. Parce que pour faire un coup d'État, il faut avoir les armes. Et c'est ce qu'il a fait. Il a fait premier coup d'État. Après, il a fait rébellion. Après la rébellion, c'est quoi maintenant il est en train de... C'est quoi maintenant il offre aux Ivoiriens? C'est les attaques djihadistes qui est fabriquées par lui-même et sa bande. Après, c'est pour venir dire non. Voilà, c'est... Parce que si tu sais qu'il y a serpent dans ta maison et tes enfants sont là, ça veut dire que tu as la force... Tu as tout pour tuer le serpent. Si tu ne fais pas. Si le serpent pique tes enfants là, s'il meurt, c'est toi. C'est toi. Parce que tu as laissé, tu savais. Peut-être c'était ton souhait. Sinon, ils ont dit que Ouattara, l'État de Côte d'Ivoire était au courant que les djihadistes, il y avait des djihadistes en Côte d'Ivoire. Mais s'ils n'ont rien dit, ils n'ont rien fait. Ça veut dire que eux-mêmes là, c'était leur souhait. Quand le narcotrafiquant Bob d'Abobo vient nous dire que ouais, qu'on savait qu'ils allaient attaquer. Et puis il n'a rien dit, il n'a pas informé. Et puis c'est un truc à Kong là-bas là. C'est un truc qui. Voilà. C'est-à-dire les échos étaient partout. Tout le monde était au courant. Mais comment ça se fait que les djihadistes là, eux c'est chez lui, à Kong là-bas, où il dit que c'est son village là. C'est là-bas. Eux, ils habitaient. Ils n'ont qu'à nous expliquer. Donc, n'allez pas dans les bureaux, dans les centres d'enrôlement là seul. J'ai dit ça à tous les Ivoiriens. Parce que les microbes qui sont là-bas, là, ils vont vous tâcher et ils vont vous faire du mal. Voilà, si on a plusieurs, on pourra se défendre. N'allez pas seul. N'allez pas seul. Parce que d'abord, aujourd'hui même, c'est une femme qui a agressé Parigo. C'est une femme qui a agressé Parigo. Une femme, hein, elle ne peut même pas tuer Kafa dans sa maison. Elle voulait avoir nom. Elle a agressé verbalement Parigo. Tout le monde a vu la vidéo, ça est sur ma page. Ça dit je ne sais pas comment je. Je ne sais pas quel nom je vais donner même. Ça dit des trucs comme ça là. Ça là, c'est femme.
On dit, il faut aller t'en haut. Toi, ça dit, il y a sa habit de léopard. Toi, tu portes pour aller te recenser. Ça dit, en travers même, de ton accoutrement même là, on sait. Ça dit, l'esprit que tu as en tête là, on sait déjà. Et puis, tu mets produit. Il a posé la question à un monsieur. À moins que c'est bon. En tout cas, tu n'avais rien à voir dedans. Ouais, Amodjaki, là j'ai un souci, attends. Excusez-moi, je vais partager le truc là pour que Amon puisse m'appeler. Amodjaki, appelez que nous. Il est où le truc là même? Partage de connexion là. Non, c'est pas ça. Partage de connexion là, je sais pas où ça se trouve, Amon, sinon tu allais m'appeler. Je sais pas. Je ne maîtrise pas trop. Partage de connexion là, mais je ne maîtrise pas trop. C'est qu'est-ce que après on va s'appeler. Si on doit faire un programme, si tu veux qu'on en parle. Tu sais que moi j'aime faire direct. J'ai fini ça là, après je vais faire Bachou encore. Ah, comme ça tu pourras m'appeler et puis dis ce que tu as envie de dire. Voilà. Donc le RHD, le RDR a déjà recensé les gens qui n'ont pas papier, qui n'ont pas de nationalité, ceux qui avaient juste l'extrait de naissance, ils ont donné 4 électeurs à tous ceux-là. Maintenant, ils ont mis que 2 personnes dans les bureaux. Nous sommes combien ici, dans la diaspora là? On est combien ici en France même d'abord? Si quelqu'un a... Ici là, nous sommes nombreux. On est plus que 20 000 personnes. On est plus que 20 000 personnes. Donc, Ouattara, sans Marfa de Ouattara, Ouattara n'est rien. Voilà, sans Marfa, là, Ouattara n'est rien. Faut il était. Il pèse pas. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Tous ceux qui sont connus, n'allez pas seuls dans les coins là, parce que ils vont aller voir. Par exemple, tout à l'heure j'ai vu Eleonore, il y a un monsieur qui n'a pas honte, qui a attaqué Eleonore. 130 000, là. Il dit quoi? Attends, il dit quoi? Il y a quelqu'un qui a écrit un truc là. On dit 130 000, voilà, 130 000. Merci beaucoup, frère Ange. On dit 130 000 là. Est-ce que vous pouvez les recenser en 2 mois environ, d'accord? Salut, salut. Donc, on me fera non et puis on partit. C'est pas à bobo. Il n'y a pas question, il a peur, c'est comme ça, non. Non, quand tu pars en guerre là, quand tu vois quelqu'un tirer sur toi là, tu cours, tu dribbles, si tu peux dribbler. Cela ne veut pas dire que tu as peur ou bien tu n'as pas peur. C'est parce que tu n'as pas envie de mourir. Tu veux retourner à la maison. Voilà pourquoi tu cours. Voilà pourquoi. Donc, quand on prend des précautions là, nous on ne veut pas perdre de ça veut dire, on a besoin de tout le monde. Parce qu'on sait que vous là, pour tuer là, comme ici vous ne pouvez pas tuer, même frapper, même c'est chaud. Voilà. Mais il y a des moutons parmi vous. Tant que les danser là. Parce que moi en 2015, je pensais que y a quelqu'un qui a voté ici en 2015, il a le droit parce qu'il est né en Côte d'Ivoire. Il dit lui, c'est sa première fois de voter. Que passé, il n'avait pas. Je ne sais pas s'il est né là-bas. Il est en France ici. Il a voté ici là. Il était content comme ça. Bon, lui n'est pas ivoirien d'origine. Il est venu même et puis il a eu papier là parce qu'il marchait un peu avec les grands d'ici là. Et en Côte d'Ivoire, il y a ces gens de personnes-là, c'est ceux-là qui sont prêts à tuer les gens, les Ivoiriens. Parce que leur mentor-là, il n'est pas, s'il était 100% Ivoirien, normalement, dans un temps normal, et un pays normalisé, au jour d'aujourd'hui-là, Ouattara, c'est-à-dire, on devrait être même là, en train d'aller récupérer nos pièces. On dit que Gbagbo était dictateur, il était mauvais, tout ça-là, mais tout le monde a eu sa carte ici. Tout le monde. Mais aujourd'hui, il n'y a rien. Donc, c'était mon message pour vous dire l'histoire d'enrôlement là, de
de recensement là, Ouattara a déjà fait pour lui. Moi j'ai peur, et ça c'est pas un problème, j'ai peur. Mais c'est quand tu as me voir en action là, tu as dit, ah donc il est violent comme ça, j'ai peur. Voilà. Même les grandes équipes là, quand ils vont jouer là, avec une équipe morte là, on dit non, eux ils protègent toujours les derrière. Des moutons comme ça là, qu'il a peur. Oui, Ivoirien a peur. On n'est pas comme vous. Nous on n'est pas comme vous. Nous on a peur. On s'aime. Voilà pourquoi j'ai eu l'idée aujourd'hui de demander à tous les vidéomans. À tous les vidéomans. Si on doit aller quelque part, si on doit aller quelque part, on se donne rendez-vous, on accompagne la personne. Parce que c'est nous aujourd'hui. On a détruit communication, le mensonge. Parce que c'est pas communication, il y a communication et puis il y a mensonge. Le mensonge de Draman là, c'est nous, on a mis pied dedans. Coup de pied dedans. On a tout guinzé. Voilà. Donc, il faut qu'on soit soudés. Là maintenant, quand on va arriver là-bas. Moi j'ai pas de problème, hein. J'ai tous mes trucs ici. J'ai tous mes documents ici. Tranquille. Et je vous dis aussi, le jour, on va aller pour récupérer les papiers là. Les cas d'électeurs là. Ceux qui vont aller pour récupérer pour eux là. Vous pensez que ça a bobo ici? Il aura les CRS. Peut-être même les gendarmes, les policiers. Tout le monde est là. Or pourtant, la plupart des militants RDA Mouton là, c'est des gens qui sont arrivés sur l'eau. Voilà, c'est des gens qui sont arrivés sur le don, ils vont pas oser agresser quelqu'un, sinon, hein, élection, le résultat va te trouver là, et puis nous, on va te trouver là-bas en même temps, en Mimougoutier. Voilà, donc, je sais pas pourquoi il dit, ouais, que tu as peur. Il y a des gens, j'ai toujours dit avant de venir sur mon commentaire, sur mon direct là, rassure-toi que tu as porté slip. La personne qui porte slip et celui qui ne porte pas calba là. Les manières de réagir là, c'est pas la même chose. Au gros bon temps, quelqu'un qui a slip là, qui a porté calba là, caleçon là, et puis celui qui n'a pas porté là, les manières d'agir là, c'est pas même. Au nom de Dieu, hein, quand je dis ça là, les gens pensent que ah, plein air, il fait rire. Non, c'est vrai. Bon, essayez un jour, tu vas aller quelque part ou bien au marché comme ça, faut pas porter caleçon, il faut sortir. Tu pars au marché, tu vas voir, tu serais pas stable. Et puis un autre jour encore, tu viens, tu portes caleçon et puis tu pars au marché. Tu vas voir, ça veut dire, tu es posé. Bah, ça te permet de réfléchir parce que le vent ne passe pas. On dit calba, ça veut dire, ça cale le bas. On dit calba. Je pensais que c'était l'argent qui... Déjà, une fois, il était en train de faire direct ici, là, j'ai vu 500 euros par terre. Tu vois, à ça, on appelle Douaoudé. Donc, c'était mon message pour vous dire, voilà, ne soyons pas comme ceux qui ne sont pas ivoiriens. C'est pourquoi, à la veille des élections, là, ceux qui ne sont pas ivoiriens, là, vous avez vu, terroristes, djihadistes qui attaquent, qui ne revendiquent rien. Ça veut dire que c'est un coup. Et l'enquête a été tellement rapide. Les enquêteurs, ils sont allés voir Ahmed Bagayoko directement, lui dit, non, t'es narco-trafiquant là. C'est eux là qui se sont mis avec les djihadistes là et puis ils ont attaqué le camp. T'as vu Ahmed Bagayoko, tu t'es mis encore dans le problème. Tu es en face de toi des hommes intelligents. Tu es en face de toi des hommes intelligents qui n'insultent pas maman des gens dans les commentaires. Qui disent ce qui est vrai. En 2 jours, c'est-à-dire le lendemain, après l'attaque là, Ahmed Bagayoko est venu. Bon, tu vas nous dire quoi demain? Qu'est-ce que tu vas nous dire demain? Non, parce que j'ai regardé la vidéo de... C'est Dosso, non? C'est Dosso, ouais. C'est Dosso. Ok, il a trahi. Il faut ma vie là-bas. Ça va? Dosso a dit que ce n'est pas les terroristes. Il dit que c'est les gars de... Il y a de Guillaume Soro. Frédéric, c'est comment? Non mais c'est vrai. Nga 500 euros, il est en train de gagner ces jours-là. Et puis ces jours-là, je parlais bon de Gbagbo, ouais. Je parlais bon de Gbagbo, Guillaume. Je vois, je sais pas si c'est une voiture ou bien scooter qui passe. Tu vois, il y a un truc qui on dirait une jolie goutte. T'es en train de faire comme ça, il y a du goudron là. Il est à ta main.
Non, il dit tellement il est sabba bien là, faut qu'on brûle, faut qu'on blesse, tellement il est pris 500 euros. Ou à biwaron quoi, quoi, tombe bien que les il voyait côté. Non, jamais. Donc, à Kanabo, Kata est retiré mon nom parce qu'il voit rien tout. Ahmed Bagayoko est devenu procureur et puis il est enquêté tout, tout, tout. Ahmed Bagayoko nous dit Bob, Bob d'Abobo, parce qu'il y a Bob la mouquette, il y a Bob d'Abobo. Donc, je vais revenir après pour faire un direct. On est ensemble. Il dit rend hommage à nos soldats qui seront tués. Déjà, un Keïta de Côte d'Ivoire. Ton village. Quand tu vas arrêter vidéo là, bon, on va avancer dedans. Quand tu vas arrêter vidéo, il y a toujours des fils de chiens. Quand il dit fils de chien là, tu sais, je parle de ton papa, je ne parle pas de ta mère. Il y a un fils de chien qui va venir dire des bêtises qui va t'énerver. Ok. Il y a 2 ans, il y a un ministre de la Défense, Bagayoko Escobar Dabobo. Mais Dabobo. Ministre de la Défense, ministre de cocaïne en Côte d'Ivoire, député de Korogo, de Séguéla, qui nous disait sur une place publique, Wale Bile Perlei, c'est bouclé. À Benalaké, c'est bouclé. Et c'est ce même-là qui parlait de bouclage-là, qui a dit hier que des djihadistes qui sont venus attaquer. Donc, tu vois, quand on va bien calculer là, c'est lui-même, il dit tout, hein, il conclut et puis il fait l'enquête. En 2 jours, même pas 2 jours, en moins de 12 heures, il a dit, et son petit pasteur là, il n'est même pas, c'est pas un pasteur, lui c'est un chien. Il a fait une vidéo, j'ai vu aujourd'hui, où il disait que sa femme est morte, mais elle est morte millionnaire. Mon frère, si l'argent était, c'est-à-dire si l'argent faisait tout là, ta femme là, c'est-à-dire elle n'allait pas partir. Quelqu'un qui prend 8 millions, hein, je viens de faire ça là. Toi-même, tu dis que tu es dans Marmaille. Donc, ce que tu supportes là, tu ne peux pas supporter quelqu'un qui est droit comme ça. Toi, Makoso, là, tu ne peux pas supporter quelqu'un qui est droit. Il faut supporter des gens qui sont dans les Marmailles, qui vendent drogue, qui font, c'est-à-dire qui sacrifient les gens juste pour élection présidentielle. Parce que Charles Pasqua dit que quand il y a une affaire là, il faut toujours créer problème, c'est-à-dire une affaire d'affaires. Vous n'êtes pas qu'on parle d'affaires. Parce qu'on a dit ça. Donc quand tu dis que Guillaume Soro doit rendre hommage aux soldats que Draman a tués là, il ne va pas rendre hommage parce qu'il sait que ceux qui sont morts là. J'ai dit, hein, tous ceux qui nous insultent là, ils vont payer comme ça. Tu vas les trouver dans ces soldats là. Moi j'ai peur de Dieu, hein, mais j'aime la vérité. Les soldats là, tu vas trouver parmi eux là, il y a au moins 2 ou 4 qui ont déjà insulté les défenseurs des Ivoiriens, c'est-à-dire nous les cyberactivistes, qui parlons aujourd'hui de réconciliation. Dieu ne fait rien pour rien. Quand j'ai dit tout le monde va payer un à un, là, sur Ahmed Bagayoko, il n'est pas en mesure, même en un mois, il ne peut pas être en mesure de venir dire aux Ivoiriens, non, c'est les terroristes qui sont en relation. Ça veut dire qu'il savait tout. Lui-même, il s'est dit, l'enquête, tout, il a tout fait. Donc, il faut demander à Draman pourquoi il a tué le soldat là. Parce que c'est lui qui a reçu le président des djihadistes là, Moustapha Chafi. C'est lui. Vous voyez le Burkina aujourd'hui, depuis Blaise a quitté là, on dit Moustapha Chafi là était le conseiller de Blaise Compaoré. Donc, quand Blaise a quitté le pouvoir là, au moment Blaise était là-bas là, il n'y avait pas d'attaque. Hein. Mais quand Blaise a quitté le pouvoir, vous avez vu Burkina. André là-bas même là, André c'est là-bas, ils ont tourné film Django même. Ça tire sur les mains. Attentat sur attentat. Les terroristes sont en train de tout mélanger là-bas. Bon, lui qui était le chef là, il a été reçu. Et puis, Ouattara a envoyé avion spécial pour ce dernier là, qu'il a envoyé jusqu'au palais. C'est son petit frère qui allait le chercher, ils sont venus dans l'avion. Jusqu'au palais, il a été reçu par Alassane Ouattara. Aujourd'hui, s'il y a terroristes, et puis... Venant d'où? Même Burkina, là, à la frontière de Burkina, Côte d'Ivoire, là, c'est là-bas, là, les gens, ils ont attaqué. Donc, demandez à Ouattara,
Shafi avait dit à Ahmed Bakayoko que ouais, qu'il va avoir attaque. Voilà pourquoi il nous a confirmé qu'on savait qu'il allait avoir attaque. Mais il n'a pas protégé les Ivoiriens. Ce n'est pas vous là qui disiez ici, ouais, Gbagbo Laurent disait que ouais, oh, ce qui se passe là, je vois vos dos. Mais pour vous là, qu'est-ce que vous avez vu? Et vous n'avez pas protégé les Ivoiriens. Jusqu'à ils ont attaqué. Et encore, la rébellion là, ils n'ont pas préparé ça à maman. Mais les terroristes là, les djihadistes là, ça a con, ils habitaient. Jusqu'à présent, ils sont là-bas. Ate fait quoi, mais tiens, viens encore, Nassabé Tougouni. Si tu as déclenché ma machine, la vidéo là, il y a fait 2 heures dessus. Viens. Bata là. Je vais attendre un temps fort là, il vient à mon temps fort. C'est vous là qui avez tué les soldats là. Voilà pourquoi, tu sais, on dit le criminel là, il revient toujours sur le lieu du crime. On a vu à l'aéroport d'Abidjan. Écoutez bien, l'imbécile qui avait écrit là. Écoutez bien. On a vu quand l'avion militaire est arrivé, qui allait chercher les morts et puis les blessés là, les soldats là. Ahmed Bakayoko était à l'aéroport, sur Tamak là. C'est-à-dire, ils n'ont même pas mis le gars. C'est-à-dire, quelqu'un qui a pris balle. On le fait marcher d'un pays émergent. Le gars, il est perdu. Il ne sait même pas où il doit partir. Il est traumatisé. Et on lui dit, va saluer le ministre. Il est là-bas. Quoi, tu vois, quelle façon qu'on est. Le gars a pris balle. On dit, va saluer le ministre. Et encore, bonsoir Madouchka. À Krogo, il y a un camp militaire. À Boaké, il y a un camp militaire. À Yamoussoukro, il y a un camp militaire. À mon avis, Krogo là, toi-même, ton papa là, il va aller bamsole nena, nyamoro tes fils de bata là. Ton papa là, il va aller bamsole nena. Ça a dit ta grand-mère là, il comme aller les man nyamro dia là bamron étranger là, fils de chien mi bloqué si ça il te bam so nen tuni fils de bâtard là. Voilà, dites-moi pourquoi le renfort qui allait pour aller faire ratissage là à Kong là, Kong est plus proche de Boaké, Kong est plus proche de Yamoussoukro, Kong est plus proche de Krogo, mais pourquoi le renfort là? Dans ces villes que je viens de citer là, il y a les camps militaires là-bas. Mais pourquoi ils ont envoyé les militaires d'Abidjan. C'est-à-dire les mercenaires qui non, pas les mercenaires, les gars là, les miliciens d'Ambak là, c'est eux là qui sont quittés dans Abidjan là jusqu'à aller là où il y a eu attaque là. Ils n'ont qu'à nous expliquer. Et puis pourquoi c'est à 11h que le ministre de la Défense Cocaïne, il vient annoncer. Pourtant, il paraît que l'attaque s'est passée à 3h du matin. Et pourquoi le président de la République, votre président là, Draman là, pourquoi il n'a pas fait un discours à la nation? Ici là, on a vu hein, que même quand un policier meurt ici là, quand il est assassiné là, le président Macron là, il sort, il fait un discours pour calmer les choses. Mais Draman s'en fout de ça. Ils sont allés chercher les militaires là, ils ont sauté. Krogo, Boaké, Yamoussoukro, ils sont allés, les gens là sont quittés jusqu'à Abidjan. Vous cachez quoi? Qu'est-ce que vous cachez? Comme on le dit en anglais, you catch me. Hein? Vous cachez quoi? Quand ils parlent anglais, quoi, les gens sont en diaye. Abe Moule Dougola, qu'est-ce que vous cachez? Qu'est-ce que vous nous cachez? Parce que moi, je ne peux pas comprendre que il y a les camps militaires partout, les villes qui sont citées là. Pourquoi le renfort quitte dans Biga là pour aller là-bas, Biga? Hein? Et le ministre, il dit après, il dit on savait qu'ils allaient attaquer. Qui allait attaquer? C'est vous? Allô, les bains? Des gens qui n'ont pas Alassane Ouattara qui a mis en embargo sur médicaments. Parce que il y a eu un problème, Gbagbo dit il a gagné, lui dit il a gagné, il a mis en embargo sur médicaments pour tuer militaire. Allô militaire Minouba Nenan.
Mais ceux qui nous insultent là, quand, si tu viens à Abidjan ici là, vous là, vous allez tomber dans dans Trouka, Trouka des dramas. Moi, je vous dis ça, hein, tous ceux qui insultent là, et puis tous ceux qui viennent m'insulter là, vous allez tous tomber dans les faux coups là comme ça. Wale bile, Trouka Koumatem, Atene Lonli, Nakan Lon, Abe Favora Kam Volama, Atafo, vous allez tous tomber dans un comme ça. À chaque fois, ils vont vous envoyer dans les coins. Et puis, Ahmed Bagayoko a fait quoi à Abidjan? Il a enlevé, ça veut dire, les militaires. Ça veut dire, il n'y a que lui, ces gars-là, qui règne à Abidjan. C'est pourquoi il n'est pas d'accord avec l'autre, là, comment on appelle. Il y a le premier, il y a l'homme à moto, là. C'est pourquoi il n'est pas d'accord avec lui. Ahmed Bagayoko, tous les militaires, là, ceux qui sont un peu trucs, là, les vrais, vrais guerriers, là, et tous, ils sont, ils les envoyaient à la frontière, partout. Au Bétou, au Talo, blabla, frontière, nous, là. Donc, c'est lui, ces gars-là qui sont là. Sinon, Krogo, là, tu pouvais envoyer les gens, les militaires. Vous voyez, votre truc, là. Je parle de ton cul. Bamba, je parle de ton cul. Voilà, mi bloqué, Kro, avant que tu m'insultes. Je parle de ton cul. Voilà. Donc, demandez à Almanous. Il a endeuillé la Côte d'Ivoire. Mais, Draman, Dieu t'a déjà laissé où? Allah Kibla. Voilà. Donc, c'était Dormadou Del Chapeau. Del Pouépoué. Yes, man. Moi-même. Voilà. Il était venu pour gâter vos cœurs un peu. Je sais que j'ai gâté beaucoup même. On est ensemble. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, quand il rit comme ça, là, c'est que je suis en train de bloquer un mouton. Je viens de bloquer un encore. Donc, on est ensemble, hein. Je reviens après, on va parler. Ma belle voiture. Ah, diplomate, ma belle genze. Il t'en l'a dit. Peut-être qu'il vient d'arriver. Chali Pagé, salut. Quand on met ça d'affront, ben brossi ça. Tu as fait, c'est lui, il a envoyé. Quand on a entendu coup d'état là, constitutionnel là. C'est quand Ouattara, c'est Ouattara qui a envoyé ce système-là. Coup d'État constitutionnel, là. Ouattara a envoyé ça. Coup d'État, comment je peux dire ça? Coup d'État, coup d'État même, là. C'est Ouattara qui a envoyé ça. C'est-à-dire enlever quelqu'un qui est démocratiquement élu, l'enlever au pouvoir, là. C'est Ouattara qui a envoyé ça. Ça fait deux coups d'État. Et après ce coup d'État-là, il a essayé coup d'État encore contre Guéï. Guéï, le vieux con, là. Voilà. Il a essayé coup d'état contre lui. Il y a le vieux con Guéï là. Il a essayé coup d'état contre lui. Débé. Après maintenant, quand il a fait chose, comment on appelle ça? Je crois que après ça, il y a eu élection. Ou bien c'est, ouais, après ça, il y a eu élection. Bon, quand Gbagbo a eu le pouvoir, il a dit, non, chez nous là, il n'y avait jamais de rébellion, coup d'état, tout ça. Il a envoyé rébellion. Voilà, j'ai bloqué le bâtard maintenant. Il est là, je vais le bloquer. Voilà, passer. Voilà. Coup d'état, il a fait coup d'état. C'est-à-dire rébellion, coup d'état. Ouais, ça fait deux. Rébellion constitutionnelle, coup d'état. Et puis coup d'état encore, ça fait deux, trois, 93, 99. Et puis dans le temps de Guéï, après il a envoyé rébellion. Il a envoyé maintenant terroriste. En Côte d'Ivoire, là, il n'y a que Draman. C'est sur Draman. Terroriste est rentré en Côte d'Ivoire. C'est sur Draman. Rébellion, c'est lui. Terroriste, c'est lui. Salut, Chakou, ça va bien. Et toi? Terroriste, c'est lui. Et quoi encore? Coup d'État, c'est lui. Tout ça, là. Tu as ton nom dans tout. Même étant en Côte d'Ivoire, même, là. Il a fait coup d'État aventurier chez les gens. Tant coup d'État que Gabon, tant coup d'État que Burkina Faso. Kabaka coup d'état que sous Chemana, mais Asimania, c'est nous on a été con, voilà pourquoi il est en nous. Mais il t'en sera tout nous. Moi c'est Draman. Eh, moi c'est Draman, quand tu dis les trucs, il sait pas. Draman, moi aussi. Allez, salam alaikum, on est ensemble.